Coucou tout le monde, bon retour dans le ranch d'Anfield. Dans l'épisode précédent, on avait installé les téléporteurs que vous voyez là. Donc ici qui va à la zone du désert, ici qui va à la zone mouchu, là où il y a les ruchers. Et celui-là qui n'a pas encore été décidé, on va le voir ensemble un peu plus tard. Je pense peut-être à la fin de l'épisode là ou dans le suivant, je n'ai pas encore été vraiment convaincu de la zone où le poser. Je vais peut-être tout simplement le poser dans le quai. Pour pouvoir faire un aller-retour rapide, tac, 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 vous voyez, avec mes autres slimes qui sont posés là-bas. Je n'ai pas encore complètement dessiné, hein, c'est à voir plus tard. Alors, donc, dans l'épisode précédent, c'était les téléports. Cette fois-ci, ça va être les télédépôts et les liens au marché et à la raffinerie, en tout cas. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, première chose, on va regarder ici. Alors, je peux que faire lien à la raffinerie. Oh, on peut le faire. Génial. Par contre, j'ai qu'une gelée, et ouais, effectivement, il me faut une gelée, donc il me faudra revenir avec des plantes roses et des gelées royales. Et je crois que les gelées royales, je les ai obtenues dans le désert, donc on va y aller, je pense. Est-ce qu'il me manque d'autres ressources en particulier? Il me faudra faire également, oh purée, il me faudra faire à nouveau des foreuses. Je ne sais pas combien j'en ai. Alors, j'en ai donc deux de chaque là-bas, des foreuses, j'en ai quatre, des pompes. Foreuse, j'en ai 3, il me semble, donc il m'en faudrait faire une autre. Et j'ai 3 là-bas, donc il m'en faudrait une dernière. Ok, donc là, effectivement, il me faudrait beaucoup, pour ramener beaucoup de plantes. Alors, est-ce que, en dehors des roses, les bleus, il m'en faut des verts, bleu, vert, rose. Bleu, vert, rose, phosphore, il m'en faut. Donc, il me faut de tout. Donc je vais le faire. Alors bah tiens, avant de faire une coupure pour la récolte, je voudrais parler un petit peu effectivement des avis qui étaient un petit peu mitigés par rapport aux coupures que j'avais fait dans l'épisode précédent. Certains étaient vraiment contents, d'autres se sentaient un petit peu perdus parce qu'ils ne connaissent pas bien, on va dire, la map du jeu, ou alors ils sont comme moi, ils n'ont aucune mémoire. ne soyez pas vexés si c'est votre cas, c'est pareil pour moi. Donc du coup, apparemment, hein, malgré tout ça, il y en a qui préféreraient que je monte quand même les déplacements, surtout que maintenant que j'ai les téléporteurs. Donc effectivement, je comprends, parce que bah, quand j'arrive à un endroit, vous n'avez pas la carte sous les yeux, contrairement à moi qui ai fait le déplacement, donc vous ne savez pas trop ce que j'ai fait, pourquoi, comment je suis arrivé là, pourquoi et tout ça, donc je prends note, et ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer les moments là où je récolte des plortes et je les vends. Et je vais par contre laisser les moments où je me déplace, surtout que maintenant qu'on a les téléporteurs. Je pense que ça serait un bon compromis qui devrait plaire à tout le monde. Hein. On va voir en tout cas les avis par rapport à l'épisode qui... Enfin, par rapport à cet épisode. Alors ok, donc maintenant je vais récolter toutes les ressources qui me manquent et les ramener au laboratoire. Après de nombreux allers-retours, je suis arrivé à 179 de plortes roses et 187 de bleus, donc je suis normalement bon, j'en ai pas mal de tigrés, j'en ai un petit peu moins de ces deux-là, donc il faudra faire peut-être d'autres recherches, enfin chercher d'autres. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, déjà je vais faire une tournée pour remplacer les foreuses, les pompes et les ruchers qui ont été épuisés, et je vais également récolter les ressources rares pour voir si j'arrive à obtenir de la gelée pour mes liens au marché. Ok, alors on est parti. Donc déjà, je veux deux champs. On en fait deux. Je veux deux pompes. Hop. Purée, les roses partent à une vitesse. Ok, et je crois que les pompes, il m'en faut un petit peu plus. Et le rocher également. Ok. Ok, tout ça, ça coûtait très cher. Mais on est parti. Alors, on va nourrir les petites slimes après. Et on est parti poser tout ça. Donc le premier paquet de choses que je vais poser, ça va être les pompes, parce que j'en ai récolté quelques-unes et elles ont disparu pendant la petite ellipse. Donc je vais retourner là-bas. Et d'ailleurs au passage, est-ce que vous avez pour moi des plantes roses? Non, bah quand même je vais sortir ça. Allez-y, mangez ça. Juste toi. Toi on va te virer. Là tu vas au loin. Et allez, hop, hop. Parfait. Hop, 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 et hop. Ok. On vire la slime. Et on arrive ici. Ah, là, j'ai des plantes pour moi. Alors, vous voyez, j'en ai plus que deux des pompes à cet endroit. C'est pour ça que j'en ai fait un petit peu plus. Celles-ci doivent... Ok, 5 minutes. Donc, on vient les poser. Une ici. Pompe. Go. Pompe. Alors je crois que je peux pas poser la dernière, si je me trompe pas, j'en ai 4. Ouais, les pompes, c'est fini. On est reparti. Alors je vais juste passer par là, juste vite fait, pour voir, est-ce qu'en dessous... Oh oui, j'ai des plantes. Là, je commence à être tellement en manque de plantes roses pour ce que je dois faire, que bon,
Je dois même faire des détours pour ça. C'était celui que je voulais absolument pas avant, et maintenant, j'essaie absolument d'en avoir. Ok. Et on va juste faire un autre petit détour par là. Ici, il y en a parfois beaucoup. Et là, il n'y en a pas. Bon, alors on rentre à la maison. Et on va prendre le téléport pour le rucher. Oup là. Puis après, on va aller à la zone du désert. Alors avec les téléports, c'est vraiment effectivement plus rapide. Donc rucher, c'est le rose. Et je vais par là. Alors on m'a dit que je pouvais obtenir des choses spéciales avec ça, avec de l'eau particulière. Désolé, je me rappelle plus ce qu'il fallait faire là de tête. Vous me l'avez dit dans les commentaires. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, je suis content, j'ai un peu plus de pleurs. On vient par là et on va looter tout ce qu'ils ont. Alors, s'il vous plaît, de la gelée, s'il y en a. Non, ok. Ah, plante rose. Rose. J'ai plus beaucoup de... Ah, l'ingodium, ouais. Je vais pas avoir de la place pour le prendre, pas grave. Il est toujours là, il est pas perdu. Ah, zut. Ok, pas de ressources rares, c'est pas grave. J'en avais 3 ici. Ah, j'étais en... Non, ok, non, on va poser toile. Ah, tiens, là. Ici. J'ai cru qu'il y en avait un que j'avais pas encore. Ok, rucher. Ah, et on m'avait dit de poser ici, effectivement, des tourelles. Parce qu'ici, ça arrête pas de se transformer en slime méchant. Donc, effectivement, je vais mettre des tourelles dans le coin. Alors, juste avant, j'ai cru voir... Ah, j'ai cru voir une rose. Pas grave. Ok. Je peux pas poser d'autres ruchers, donc j'ai posé tout ce que je pouvais. C'est fait, tout a été ramassé. On est d'accord, hein. Ouais. Et donc on va revenir après. Maintenant on va... On va à la zone moussue. Non, la zone moussue, on était là. Donc c'est là qu'on doit aller maintenant. Ok, on rentre à la maison. Ah mais je peux pas. Faut que je dépose ça avant, ouais. Ah, mon téléport est derrière moi. J'étais trop loin. D'accord. Ici. Tiens, si je prends ça, que je rentre avec. Ah, il se téléporte pas avec moi, bien entendu. Bon, on va poser tout ça et on va passer vite fait à la zone indigo. Puis après, on va aller... Ça en fait des choses. On va aller ensuite chercher les ressources rares au désert. Oups là, non. Donc là, je vais nourrir un petit peu quand même toutes mes slimes. Voilà, donc j'ai nourri, j'ai vendu, je suis à 37 000 d'argent, je vais pouvoir acheter quelque chose au 7-10. Au passage, on va... Ouais, alors, on le fait rapidement. C'était pas réflexe, surtout plutôt qu'autre chose, là. Je peux pas passer à côté de autant de choses et les vignes. Par contre, il faudra qu'effectivement, je vienne vendre également ici. Oh là là. Du coup, là-bas. Tac. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Lingodium. Diamant. 4 ressources à lui tout seul. J'en ai pas un autre. J'en ai mis que 3 ici. Ok, bon, on va mettre un quatrième. Ici. Forêt, je suppose. On peut pas mettre le dernier. Donc ça c'est fait. Maintenant on va au désert. Après avoir déposé ça. Bien entendu, au laboratoire.
Une fois que c'est fait au désert, ce que je vais faire... Ouais, je vais devoir revendre un... je suis passé par le mauvais endroit. Je sais qu'il y en a qui me dire, mais t'as un passage vers le laboratoire. Oui, je sais, je l'ai oublié. Je l'ai complètement oublié. Je sais pas pourquoi. J'ai un de ces réflexes de... Ouais, c'est pas... je sais pourquoi. C'est parce que quand j'ai fait mes parties précédentes, le passage là n'était pas encore disponible, vu qu'il n'y avait pas le laboratoire. Et du coup, ça a été ancré en moi. Ok. Donc, j'ai bientôt plus d'eau. Et maintenant, on va au désert. Et là, donc, par contre, je passe par le bon chemin. Désert, c'est le bleu. Et donc, on va pas explorer le désert. Là, on est juste là pour les ressources. Et j'ai... j'espère que j'ai des choses qui m'attendent. De toute façon, on en a peut-être pas besoin, vu que j'ai mis des level 3 systématiquement. Alors, mon problème, par contre, est primordial. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai pas de la gelée. Le problème, c'est que je vais pas avoir de la place pour... C'est quoi ça? Un éclat de verre. Ok, c'est même pas la peine pour le suivant. Donc, je vais faire un aller-retour, là. Alors, j'ai fait mon deuxième passage. Cette fois-ci, j'ai pas obtenu la gelée, mais j'ai obtenu de la confiture de poivre, quelque chose que je n'avais jamais eu avant. Donc, je suis assez content. Bon, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin tout de suite, je crois. Mais c'est pas négligeable. Alors, on y va. On va déposer tout ça et on va au moins faire un télédépôt. On va voir lequel, je ne sais pas encore lequel. Enfin, pas un télédépôt, plutôt un lien. On va voir. Ok, du coup, toi, la confiture, tu vas dedans. Là, j'ai les gemmes, la slime fossile et la cire d'abeille. Parfait. Et regardons. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui utilise la confiture de poivre? Éclat de verre. Ah, confiture de poivre. Piège avancé Gordo. Donc c'est pas mal. On va faire un piège de novice Gordo pour tester déjà. Ok. Cloche apaisante. Ça utilisait rien de rare, le son mélodieux de cette cloche curieuse apaisera les slimes furieux qui l'entendent au sérieux. Ok. On verra. Hydro-tourelle. Ça, je vais en faire une à l'endroit où il y a les ruchers. On va la poser là-bas. Ok. Station médicale. Alors, on n'en a pas besoin. Décor. On va peut-être faire des décors. Du coup. Téléportation. Je pense que je vais faire un lien au marché et je vais le faire ici, là où on est. Ok, on va faire le lien au marché ici et puis j'en mettrai un autre. J'espère que je peux en faire plusieurs et j'en mettrai un autre dans le... dans la grotte. Ok, ça n'a pas l'air d'être unique. Puis après, je ferai un lien à la raffinerie et je la mettrai également dans la grotte. Et j'en mettrai une autre, ok. Plein de choses. Télédépôt. Ok, donc je vais faire le bleu parce qu'en fait, choisir la couleur ne décide que, en fait, du type que l'on peut faire. Alors du coup, les téléporteurs, les autres sont plus là. Alors, on va faire le bleu. Je vais perdre une poussière de lave. J'en aurais besoin... Pourquoi d'autres des poussières de lave? Rien de particulier, les curios. Non, ah, de la gelée royale encore. Ok, on va faire le bleu. Ok. Bon. Le lien au marché. Ah, j'avais dit que j'allais le mettre là, mais ça me ferait peut-être un peu mal au cœur. Mais maintenant, on va le mettre dans la grotte. Avant, bah tiens, justement. On va le tester. Là, je vais ramasser les plortes. Ce miel, j'en ai trop. Ah, j'aurais peut-être le mettre là, quand même. Allez, on y va. Et je prends le bon chemin. Bon. Je vais te mettre en bas parce que ça m'embêterait de monter en haut à chaque fois pour ça. Et on va mettre... On va mettre le lien au marché. Ok, on va mettre le lien au marché. Je réfléchis. On met le lien au marché. Voilà. Et du coup...
génial. Et donc, je peux me servir de ça pour vendre un peu. Par exemple, toi. Juste trop. Ok. Et je vais faire un lien qui va mener... Ouais, qui va mener à l'autre endroit. Ok. Je vais faire tout de suite. Je sais pas si ça sert. Est-ce que je le mets... Ouais, de mettre des ressources là et de les faire arriver au laboratoire. Sachant que je vais mettre dans pas longtemps ici. Sauf que ça coûte pas cher, donc ça peut être une solution temporaire, parce que le lien au laboratoire, je le suivant, je vais le mettre là-bas. Ok, donc on va te mettre là. Installé. Et on va mettre l'autre là-haut. Ça, si j'ai trop de ressources sur moi, j'ai juste à les balancer là. J'espère que c'est pas une bêtise. Télédépôt. Voilà. Testons. Testons pour être sûr que ça marche. Lequel je vais utiliser? Toi, on va avoir besoin de phosphore. Allez, on va y aller avec beaucoup d'un coup. Je vais mettre toi et je vais tout balancer. On va voir ce qui se passe de l'autre côté. On y va. T'es où? Ah, c'est là. Et on va balancer le dernier. Alors, je pense pas que j'en aurai assez. Ah, j'en ai que deux, donc ça ne sert à rien. Ok, alors on est parti avec 150. J'espère que c'est pas perdu, que je fais pas une grosse bêtise. Bon, normalement, non, hein, mais je me dis 150, est-ce que ça va bien les garder en mémoire, surtout que je suis pas à côté. Et dommage que je peux pas me téléporter moi-même dedans, oui, en même temps. Et on y va. J'aurais bien aimé les voir sortir également du l'appareil. Hein? Quoi? Oh, je les ai mis dans le télé. Je les ai mis au mauvais endroit. Je viens de me rendre compte que je me suis gouré d'appareil. Non, je les ai mis dans le marché. Oh, je les ai mis dans le marché au lieu de les mettre là. Il est où? Il est là. Ok, c'est pas grave. Allez, on va mettre 17, on va voir ce que ça va donner. Ah, je suis déçu là, non. Bon, au moins ils ont pas perdu. Ah, je peux en mettre qu'un. Je pensais que ça apparaîtrait sur le sol. Bon, bah finalement, j'aurais pas pu faire ce que je voulais. Et donc... je suis sûr qu'il y en a qui ont dû me crier sur moi à l'écran. Non, tu le mets dans le marché. Ah, ouais, moi je pensais que ça ferait pute, ça tomberait de l'autre côté sur le sol. Et en fait, non, c'est juste un lien comme ça. Ah, je suis déçu là. Ouais, je les utiliserai de façon pas trop, ceux-là. Ok. Bon, maintenant que j'ai fait ça, j'ai d'autres petites choses que je veux faire. Décor. On va faire toi, je peux me le permettre, ouais. Lampe à slime bleu. Bon, on va mettre à slime rose. Ah non, ça me fait redescendre trop bas. Les slimes bleus, je me rappelle plus où on les trouve, les basiques. Ah oui, bah juste après. Ok, on va te faire toi. Bon, on va en faire une. Et on va la placer là-bas. On a également un piège à gordo à poser. Alors. Ok, pour le moment... Ah, j'en ai une qui vient, j'ai pas à la poser dedans, d'accord. On va mettre différentes couleurs ici. Ensuite, le piège à gordo, on va te poser là. Et de ce que j'ai compris... Ok, je dois mettre ça. Et théoriquement, je devrais avoir quelque chose qui va arriver éventuellement.
Alors, on va aller là maintenant. Et on a des récompenses à acheter, 20 000. 25 000 pour la suivante, je suis à 24 000. Amélioration de luxuriance. De luxuriance, ok. Pourquoi pas. Du coup... Oula, j'ai la gorge qui... du coup, je vais juste poser ça rapidement. Et on va aller inspecter à nouveau tous nos appareils qui devraient avoir ce dont j'ai besoin. Alors... Mais on va dormir avant, comme ça on va faire passer le temps. Et je vais être sûr que ce soit bon. Alors hop. Voilà, revenir au ranch. Et on va aux pompes. Ah, il y a les betteraves là-bas, des navets. Alors. Allez-y, je vous laisse manger. Ça c'est bon. Ah, ça c'est parti, donc je vais devoir en faire une autre. Parti. C'est bon, hein, les 4. Ok, bon, toi je te prends. Rien d'autre, et on va voir... Ah, ici. Non ? Ah ok, c'est ça. Du coup, combien j'ai de pompes ? J'en ai qu'une, non. On va falloir en faire d'autres. Là, je vais les faire tomber, je vais les laisser là. Il me faudrait un... Comment dire? Il me faudrait, à côté des téléporteurs, un truc qui mène directement au laboratoire, ici. Ah! Pourquoi ça m'a donné lui? Je lui ai mis un pour un fruit favori des autres. Ok, bah du coup, on va devoir nourrir. Toi, tu manges de tout, donc on va le faire. Alors, on va là-bas. On va quand même pas leur donner des mangomantes. Oups là. Le saumur, j'en avais besoin. Ça, on le fait rapide. On peut couper pour ça. Et regardez, ils vont être contents, ils vont me faire plein de pleurs, c'est parfait. Et on va s'occuper du gros. Alors je vais lui donner les carottes, déjà. Je vais quand même garder les rigoignons. Je m'attendais pas à celui-là en fait. Oups là, il y en a qui sont allés derrière lui, c'est pas grave. Ça c'était favori. Normalement, celui-là, j'aurais dû les garder pour les plantes roses, vu que ça m'en fait beaucoup, mais c'est pas grave. Go. Ah, encore à côté. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Est-ce que ça vaut le coup, déjà? Déjà, vous allez partir, vous allez rien comprendre. Ouh, il y a des choses rares dedans. Je peux pas laisser des slimes libres dans ma base. Trop dangereux. Hop, hop, hop. Bon. Les carottes. Le reste, ça va là-dedans. Et ça également. Donc, par contre, c'est à usage unique, ouais. Parce que là, j'en avais fait un novice. Ouh. La coquette, tu vas là-bas. Ok, toi je peux pas te laisser. Ok, c'est bon. Ça, le pogo fruit. Toi. Tu vas là-bas.
Ok, bon, je suis un petit peu déçu, pour être franc, de ce que j'ai obtenu là. J'ai quand même eu des gélés gemmes, mais vous voyez, juste deux huiles primordiales, deux gélés gemmes. Pour ce que j'ai dépensé, ça vaut juste pas le coup. Donc je suppose qu'il faut prier, en fait, de pas avoir un rose, quoi, d'en avoir un gros rare. Ça doit être la logique derrière. Parce que je crois que j'ai dépensé 10 ou 8 trucs primordiales. Et ok, donc là, je me suis fait dépouiller, quelque chose de grave. Ok, alors, j'ai cru voir que... Ici. Ah, il y a une sphère d'abeille, ok. J'ai cru voir que c'était mûr. Ah non, c'est plus mûr du coup. Bon, pas grave, ça on les laisse là. Et on est parti maintenant poser notre canon. Ouais, à la zone là. Alors, on va le poser là. Ah, quoi ça? Des mangomans? Pourquoi il y en a là? C'est des manguiers, mango manguier. Ok. Où est-ce que je vais te poser? Un endroit bien visible. Ah oui, mais le problème, c'est que si je mets un là, je peux mettre un en moins de. De tourelles. Allez, on va quand même le mettre juste pour se marrer. C'est automatique, c'est quoi? Je sais pas comment ça fonctionne. Allez, donne-moi tes ressources rares. Ouh. Un rucher avancé. Allez, hop, hop. Ça, c'est bon. Toi, tu restes. Toi, tu es prêt. Alors, ok, ok. Tourelle. Ça veut dire quoi, ça? Un 14, ça veut dire que c'est en cours de construction? Installe... Ah, installons. Ok. Donc, faut que les filles tiennent une minute avant que ça soit prêt. Bon, bah, ok, on va attendre. Ah, là, c'est fait. Je crois que j'ai fait le tour, c'est ça? Ouais, ok. Ah. On attend la minute. Est-ce qu'elle va tirer dans tous les sens? 40 secondes. Allez, 4, 3... Ouais, elle meurt elle-même. Elle meurt elle-même. Ah, c'est... Tu attaques. Suivant. Raté, raté. Boum. Suivante. Il n'y en a pas d'autre, s'il y en a une. Allez, venez, venez me chercher. Oh, elle est morte. Elle est morte. Elle doit rester en vie quelques temps. Zut. Et là, il y en a déjà plus. Bon bah ok. Et les slimes sont déjà revenus, elles ont pas appris leur leçon. C'est une zone dangereuse, mais c'est pas grave. Ok. Alors on est reparti. Et je vais déposer ça au laboratoire. Tac. Ah vraiment il me faut ici, vous voyez, ce transfert au laboratoire, parce que je reviens des zones de cet endroit, comme ça j'ai pas besoin d'aller là-bas. Et je peux tout déposer et ça serait juste génial. Parfait. Maintenant. Maintenant, il nous reste... Ah, il nous reste la zone là-bas. On refait un tour. Hein. Je suis obligé de faire ces allers-retours. Alors, je sais pas si je vous les montre ou pas, en fait. C'est un petit peu redondant. C'est vrai, mais beaucoup, au bout d'un moment, dans le jeu, est redondant. Donc, si je commence à trop couper, ça fait ce qu'il y avait dans l'épisode d'avant et vous n'êtes pas trop content. Ou dépaysé. Alors, tac. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? S'il te plaît, de la gelée gemme. Je crois pas que c'est eux qui font de la gelée gemme, je sais pas c'est qui la font. Ok. Ok. Bon, finalement rien de rare, et donc là on va faire maintenant un tour. Au désert, en espérant que c'est revenu et que j'ai quelque chose de rare. Du coup, toi. Je pense que je vais pouvoir faire, avec tout ce que j'ai reçu, plus de décors. Ça va être...
Et il me faudrait également avoir 25 000. Ah tiens, on va juste vendre celle de chasseur. J'ai besoin d'avoir 25 000 pour acheter la nouvelle amélioration du Sedzi. Ça, on va la faire sur le retour. Ok, je crois que ça devrait suffire. Voyons voir c'est quoi. Hop. Oui, amélioration de luxuriance. retournons. Alors, elle est où ma luxuriance? La luxuriance. Ah, ok, qui est couvert de mousse. Ok, ah, d'accord, la luxuriance, c'est une zone, d'accord. Bon, on va y aller, on va voir. Je pensais que c'était un adjectif, là, qui disait pour luxuriance, genre une mauvaise traduction. Mais en fait, pas du tout. Alors, hop, ça, c'est juste parce que j'ai besoin du rose. Tout le temps. Là, j'ai l'impression que c'est... Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Encore un autre? Ok, je te comprends. C'est bon? Allez là, si je les laisse là et qu'il y a des plantes qui sortent et qui commencent à les manger, ah, ça a posé problème. En plus, ils ont dû manger un petit peu des productions. Alors, la luxuriance. Oh! Ok, donc plus de fleurs. Ils ont retiré ce qu'il y avait là. Alors, il y a une autre amélioration. Pourquoi est-ce que là, c'est vide? Il y avait un arbre là, je crois, avant. Oh, regardez là, on a plein de poulets maintenant. Alors, je vais vous prendre vous. Ah, là, à l'extérieur, il y a même des rares. Alors, c'est une vieille coquette, ok. ici, il y a suffisamment de poulets. Ici, il y a plein de poulets également. Ah, bon, on va vous mettre un de chaque. Voilà. Et on est parti. Alors, je vais juste donner les poules. Ici, parce que je les ai pas nourris depuis quelques temps. Enfin, pas sérieusement. Ah, là, vous êtes content, hein. Là, vous êtes content. Parfait. Et on est parti au désert. Ouh. On est en période dangereuse. J'ai presque l'impression que le sable bouge. Ouh, l'ambiance change, hein. L'ambiance change. Avec du sable soyeux. Ma gelée. Pas de gelée. Ah, l'événement est fini. Ok, je suis assez déçu. Du coup, je vais repartir avec ça. Et je refais mon aller-retour encore. Ouh, j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé. Parfait, du coup, je vais me débarrasser de ce qui est pas trop rare. Enfin, le débarrasser, ça va rester là. Mais du coup, j'ai de la gelée royale et je vais pouvoir faire ce que je voulais. Donc, on est reparti. Et à nous, le... pas le télédépôt, le lien vers le laboratoire, plutôt, voilà. On retourne. Hop. À la maison, ça devient de plus en plus rapide, ces déplacements. Faudrait que je voie d'ailleurs si j'ai pas débloqué une nouvelle technologie au passage pour le... pour ma tenue ou mon arme ou je sais pas quoi. Donc on arrive là. Ouh.
confiture de poivre, on commence à en avoir pas mal ici. Téléportation, lien au marché. Lien à la raffinerie, pardon. J'ai tout ce qu'il me faut. Fabriquer. Utilité. Je peux toujours pas faire toi. Ah si, je peux faire l'avancée. On va faire l'avancée. Je vais la poser là-bas. Ok. Alors, pour l'avancée, je vais mettre un citron. On va mettre un citron, on va être fou. Alors, je vais juste voir, est-ce que je peux, avec un légume, obtenir un citron? Est-ce que d'abord il est mûr? L'arbre est mûr. Ok, il me faut un fruit. Il me faut un fruit. Faut que je fasse vite. Avant que ce soit plus mûr. Rien ici. Ah, je vais être vert si j'ai pas de fruits. Est-ce que j'ai des mangues? Ouh, j'ai des mangues. Parfait. Ok, ça devrait compter comme un fruit vu que c'en est un. On est reparti vite. Alors, je sais qu'il est pas mûr très longtemps. Ah, génial. Alors, j'ai dû perdre une mangue qui est dans le coin. Elle est là. Parfait. Je vais juste aller là-bas pour voir si je peux choper peut-être sur les arbres quelques pogo fruits. Tant qu'à faire, vu que je vais m'en servir pour attirer... Ah, là. Pas d'autres? Non. Ok, on est parti. J'ai pas le temps de récolter les plantes roses. Je me demande si je jette un citron, est-ce que j'aurai plus de citrons? Ah! J'en avais qu'un? Ouais. Ah, ça nous en donne qu'un. Bon, c'est fait. Alors, maintenant, j'ai deux choses à poser. Le lien à la raffinerie. Je vais apparaître ici. On va te mettre là. Ok. Là, je vais sortir de là et directement là. Et... piège avancé de Gordo. Alors là, je devrais avoir quelque chose de bon. Et du coup, on balance. Alors j'espère que ça fonctionne bien. Ok, là, ça a dû aller directement dans la raffinerie. Et j'ai bien un aperçu de tout ce que j'ai. Bah tiens, on va en profiter... pour les poser. Le rose. Ah purée, ça on va le vendre. Alors je me demande combien de temps ça prend pour avoir le... le gordo. Oula. J'ai pas perdu, non, j'en ai pas perdu. Alors j'en ai combien de bleus? C'est cool que ça nous dit les bleus, on est bon. Donc les bleus, on va pas les mettre, on va mettre juste le rose. Comme ça, je vais pouvoir débloquer plus de, plus de fabriques et tout ça. Finalement, on commence vraiment à se rapprocher de la fin. Ça, on va le vendre. Bon, ça va pas me rapporter énormément. C'est combien? C'est 13 chacun. Ouais. Et du coup... je vais pas dedans. Ok, on a rien de nouveau. Bon, j'aurais aimé avoir quand même l'amélioration pour le suivant, mais bon, c'est pas dans les sacs apparemment. Peut-être plus tard, pour les coffres, hein, je parle. Parce que je peux pas encore ouvrir le niveau 3. Ok. Donc, est-ce qu'il faut partir et revenir, ou peut-être dormir? Bon, on va dormir et on va revenir et on va voir si j'ai mon... dormir jusqu'au matin. Est-ce que j'ai mon... ouh, regardez! Regardez! Alors, lui, qu'est-ce qu'il lui faut, lui, déjà? Lui, il lui faut des mangomantes. Il lui faut des mangomantes. Bon, on va voir. Le citron. Alors, c'était du citron qu'il lui faut. Les mangomantes, c'est pour les... c'est pour les mielleuses. Citron de phase. Ok. Si je te donne un rigouagnon, est-ce que tu le manges? Ah non, lui, c'est que des fruits. Allez, on va tenter de l'ouvrir pour la fin, là.
Je vais ici. Est-ce que tu as... Non, tu n'as rien. Oh, c'est bientôt là, mais ça ne l'est pas. Alors, les mangues, j'en avais un paquet, mais peut-être avec la nuit, j'en ai un deuxième, ou peut-être à l'autre que j'avais construit. Sinon, on va explorer un petit peu aux alentours. Ah, j'en ai. Génial. Bon, normalement, ça va pour les mielleuses, mais vous allez devoir attendre. Et ça va être... Achievement de la fin d'épisode. Et j'aime, je suis bien curieux de voir ce qu'il va nous donner. J'espère qu'il va nous donner plus que l'autre, parce que franchement... pour être vraiment franc, l'autre nous a coûté plus qu'elle nous a apporté, quoi. Sur tous les aspects. Ok, le dernier. Voilà, on va lui donner ça. Ça, c'est des fruits rares quand même. Considéré rare. Bon, ça c'est des légumes. Ah, j'aurais dû déposer les rigouagnons tout à l'heure. Toujours pas fini. Ici, je vais pouvoir choper des pogo fruits. Là-bas. Oh, il y a plein de poulets là-haut. Bon. Rien ici. Bon, on va donner les 9 pogo fruits. Si c'est pas bon, on va aller là où il y a mes poules. Normalement, là-bas, j'ai un petit quelque chose. Je veux juste pas le laisser trop de temps comme ça à l'air libre, parce que je sais pas si c'est comme les petits, ils disparaissent au bout d'un moment. Ça me... Ah, ça me décevrait un petit peu. Oui, il tremble. Pas de citron, non. Ah. Boum. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Bon, déjà, on va aspirer celle-ci, parce que je veux pas les laisser se balader dans la base, les cantiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Cette caisse ne vaut que dalle. Bien sûr, elle mange le citron. Alors, on va devoir vous jeter. Il pleut des slimes. Hop, 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 hop. Bon, je sais où les trouver, hein, donc c'est pas comme si j'en avais vraiment besoin de les garder. Alors, toi. Boum! C'est bon? Ouais, elle est tombée de l'autre côté. À toi. Ah bah tiens, ça tombe bien, on a maintenant le lien, c'est vrai. Ne pas oublier. Et les volumes vapeur, ça rapporte pas énormément. Hein. Alors c'est vrai que là, j'ai encore un autre. Non, j'en ai pas un autre. Il a disparu. Pourquoi j'ai pris un gros alors? Ah, peut-être que le gros me donne des plus rares, c'est peut-être pour ça, le simple il peut me donner que des roses ou un truc du genre. Oh là là, quel gâchis de ressources. Ah, je suis pas convaincu que ça vaille le coup de continuer cette histoire. Ouais, bon, on va... En tout cas, on en est à la fin de l'épisode, dites-moi s'il y a d'autres avantages à faire des gros largots, en dehors du côté que c'est agréable à regarder. Je me dis, je vais peut-être en faire un juste pour le garder dans la base, vous voyez, pour faire le petit, genre le petit pet que l'on nourrit de temps en temps, ce genre de choses. Mais je pense pas que je vais en construire régulièrement. En tout cas, merci à vous donc d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez des coupures. Là, j'ai essayé de couper moins, mais quand même de le faire de temps en temps, mais de façon moins brute, pour que vous ayez, on va dire, un meilleur aperçu de là où je suis, de ce que j'ai fait, et tout ça. Voilà, on peut pas que vous soyez perdu quand j'arrive à un endroit et que vous savez pas du tout où je suis. Voilà, en tout cas, merci à vous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.